Salut à toi, bienvenue dans 20e live, 20e émission Motion Life Team. C'est déjà quand même pas mal. J'espère en tout cas que tu vas bien et j'espère que tu es content. On se retrouve ensemble ce soir. Salut Arthur, salut à tous, bonjour Octostyper. J'espère que vous allez tous super bien. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Ce soir, on va parler de trois petites choses. En fait, première chose déjà, ce soir, c'est le soir où on vote pour les meilleurs challenges des élèves H3E2. Donc les élèves ont fait un challenge il y a maintenant une semaine. C'était le challenge de l'épée, je sais pas si tu te souviens, on l'avait fait ensemble. Pas l'émission d'avant, mais l'émission encore d'avant. Salut Olivier, j'espère que tu vas bien. Et du coup, ce challenge, la semaine dernière, j'avais montré un petit peu le travaux des élèves. Il leur restait un petit peu de temps pour eux voter en interne. Maintenant, c'est fait. Donc on a les trois finalistes qui sont en place, que je vais révéler juste après, et ce soir, on va voter tous ensemble pour qui a la meilleure réalisation, et celui qui aura la meilleure réalisation sera le grand vainqueur du challenge. Le vainqueur a la possibilité de pouvoir choisir du coup le prochain thème, et l'idée, toute cette idée-là est en fait finalement de proposer aux élèves une manière un peu plus ludique et une manière un peu plus aussi répétitive, avec un plus de contraintes, de s'améliorer et de se créer leurs propres contraintes de production, et ça c'est indispensable pour devenir un bon artiste 3D qui puisse s'intégrer dans un studio, qui puisse s'intégrer dans une production. Donc ça c'est la première chose qu'on va faire ce soir, j'y reviens. Ce soir aussi, je le rappelle, très important, c'est le dernier jour pour candidater à l'école H3E2, après les portes ferment. Donc si t'as pas encore candidaté et que tu te posais la question, c'est maintenant ou jamais. Ça se passe sur h3d2.school, d'accord, je te mets le petit site juste à droite de moi, d'accord. Voilà, si tu te posais encore la question, c'est maintenant ou jamais, si je puis dire. La suite, du coup, on va parler des challenges. Alors, Arthur me demande pourquoi je ne poste plus rien sur YouTube. Crois-moi, Arthur, je fais ce que je peux pour poster un maximum. On a pas mal de projets qui arrivent, mais c'est vrai que du coup, les vidéos qui vont arriver dans quelques temps vont être un peu plus qualitatives, si je puis dire, un peu plus travaillées. Et du coup, elles mettent un peu plus de temps à faire aussi. Et ensuite, il y a pas mal de best of de live qui doivent arriver aussi, mais là on a pris un peu de retard sur ça, globalement. Mais crois-moi Arthur, ça va revenir. Là c'était la rentrée de l'école, donc il y avait pas mal de trucs à faire pour l'école. Mais du coup, maintenant que la rentrée est terminée à partir de ce soir, demain, ça va reprendre. Et il y aura pas mal de choses qui vont arriver sur le mois qui arrive, notamment en octobre. Tu vois, il y aura des vidéos cool, ça va être cool. Ça va être très cool même. Alors, donc c'est challenge. Donc comme je l'ai dit, semaine dernière, les élèves ont terminé le challenge des épées. Donc le travail, c'est que un élève donne le thème de l'épée et les élèves qui souhaitent dans l'école H3E2 peuvent créer ce qu'ils veulent, une vidéo, une image, tant que ça reste de la 3D, donc sur le logiciel qu'ils veulent. Et ils ont 14 jours pour réaliser ce challenge. La semaine dernière, leur challenge était terminé, on les avait déjà vus, on va les revoir ensemble, on va déjà revoir nos trois finalistes. Et ensuite, on va pouvoir voter pour le meilleur. Pour voter, comment ça se passe? Tu dois te rendre sur le site de l'émission, en fait, qui s'affiche là, juste là, en haut. Donc, teach.motion-live.com/émission pour pouvoir, du coup, voter et donner ton avis et voir aussi un petit peu les travaux des gens. Même si on va les voir aussi, les travaux, on va les voir aussi en live maintenant. Donc, comment ça se passe? Je te montre un petit peu l'interface pour ça. Et puis derrière, du coup, on va un petit peu après regarder ces travaux. C'est parti. Alors, tac, on va passer sur mon écran ici, et on va rapidement, du coup, donc, le site de l'émission, c'est celui-ci, hein, il est aussi dans la description de live, hein, si jamais, d'accord, mais tu le vois aussi sur l'écran, et du coup, c'est simplement, tu as le live qu'on est en train de regarder en ce moment, tu vois, et tu as aussi, surtout, la trois possibilités pour voter, donc tu peux voter pour Johan, Guillaume ou Olivier. Et justement, du coup, je viens de te spoiler, si je puis dire, puisque oui, les gagnants, les finalistes de ce challenge, c'est Johan, Guillaume et Olivier. On va regarder leurs travaux ensemble tout de suite. Alors, Octosniper me demande si j'ai reçu ton mail. Alors, Octosniper, j'en ai reçu tellement, je sais pas. J'imagine, je sais plus, au pire renvoie-le-moi, enfin si je t'ai pas répondu c'est que je l'ai zappé,
ou que j'avais prévu de te répondre et que j'ai répondu un peu plus tard, ou que je n'ai pas encore répondu, mais il est dans la liste à répondre. Si j'ai pas répondu, fais-moi un petit coucou par email. Enfin, refais un petit coucou. Ouais, Romain, t'as pas répondu. Comme ça, je regarde ça. Ça marche? Globalement, sinon, on est bon. Alors, premier travail que je veux te montrer, c'est le travail de Guillaume. Guillaume, du coup, qui a eu le plus de j'aime dans le forum, hein, 9 personnes ont liké son post, donc ça c'est très cool. Et Guillaume qui nous a fait une image fixe, on voit ça tout de suite. Alors hop, voilà un petit peu à quoi son travail ressemble ici Guillaume. Alors on a la première image de Guillaume ici, je vais enlever la tête pour que tu puisses vraiment voir ça de manière complète, d'accord ? Premier travail de Guillaume. Je vous laisse admirer le boulot. Il y a du taf, hein, là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de taf. Hein. On va en parler après. Après, du coup, je prendrai la session pour faire un retour sur tous les travaux qui ont été faits en détail. Ça permettra aux élèves de pouvoir un petit peu se rendre compte de où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer, où est-ce qu'ils peuvent aller un peu plus loin et d'avoir un avis aussi professionnel sur leur travail. C'est hyper important. Donc, voilà, là, il y a vraiment du taf. Hein. On le voit dans le shader, dans le texture, là, dans le lighting aussi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot et c'est vraiment un super travail. Hein. Donc là-dessus, un grand, grand bravo à Guillaume. On va se mater un petit peu les autres, d'accord ? Un peu relou ça, à chaque fois il me vire mon écran de Guillaume, parce qu'il a fait plusieurs images. Guillaume, il a fait aussi ça, une petite recherche d'environnement, de mise en scène, et ça c'est très cool aussi. Salut Sunday, Françoise, pas de problème, quoique je suis pas sûr que ce soit Françoise, je pense que t'es plutôt son fils si je me souviens bien. En tout cas, bienvenue. Voilà pour la mise en scène de Guillaume. On va du coup se faire la dernière ici. Hop, je m'enlève ma souris, ce sera plus joli. Salut Raphaël, j'espère que tu vas bien. Donc c'était le travail de Guillaume. Alors je répète pour ceux qui viennent d'arriver, hein, du coup, ce soir, on fait le vote, on va pouvoir voter tous ensemble pour le meilleur des 3 finalistes de ce challenge, le challenge de l'épée qui a été fait la semaine dernière par les élèves de l'école H3E2. Donc ce que je viens de montrer ici, c'était le premier travail, le premier finaliste, du coup, Guillaume. Deuxième personne qui est finaliste, c'est Johan. Johan qui nous a fait du coup une image fixe, qui nous montre un petit peu son travail qui est ici. Et ensuite, Yuan qui nous a fait une vidéo derrière qu'on va pouvoir regarder dans quelques instants. Donc le travail de Yuan. Hop, on va attaquer du coup sur la vidéo de Yuan. Je vais couper la musique rapidement pour pas que tu sois embêté. Voilà. Et on va envoyer du coup la vidéo de Yuan. Allez, c'est parti. Alors, reste à refaire une fois parce que c'était quand même très sympa. Il y a aussi énormément de taf dans ce projet-là, hein, donc on peut déjà faire un gros, gros bravo à Yuan pour ce boulot. Allez, je renvoie. C'est parti. Ok, alors on peut dire déjà un énorme bravo Yuan. Donc Yuan, c'était le deuxième travail qui était qualifié en finaliste sur ce live pour lequel vous pourrez voter avec ici 7 likes. Le dernier qualifié, c'est Olivier. Olivier,
que j'ai cru voir d'ailleurs avec nous. Bienvenue à toi Olivier, c'est parti pour le travail d'Olivier. Allez, on va se le faire une deuxième fois. Hein. Donc ça, c'est le troisième finaliste, Olivier, pour ce soir. C'est parti, on rattaque. Et voilà, un immense bravo à Olivier. Alors, comment ça va se passer? Je t'explique ça de suite. Donc, tu peux voter ou pour Olivier, ou pour Johan, ou pour Guillaume. Je rappelle un petit peu, hein, Guillaume, c'était les épées un peu futuristes en image fixe, avec une mise en scène dans un environnement, dans une espèce de cave, ici en haut. Tu peux voter pour Johan. Johan, c'est le combat des épées qui font l'eau, la terre et le feu. Et tu peux voter pour Olivier, et Olivier, c'est le sabre qui les gouverne tous. Voilà ce qu'on va faire. Donc, je te laisse jusqu'à la fin de l'émission pour voter. En attendant, moi, pendant toutes ces émissions, je vais refaire un retour sur tout le travail des élèves, les travaux des élèves, pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils puissent s'améliorer. Et à la fin, du live, de l'émission, on verra un petit peu le résultat des votes et on pourra, du coup, voir qui est le grand vainqueur de ce challenge et qui pourra, du coup, choisir le prochain thème. Alors, je vais rapidement, du coup, moi, je vais aussi voter, hein, tout simplement, puisque voilà, chacun a le droit à un vote, hein, donc je vais voter rapidement, et une fois que j'ai voté, du coup, eh bien, j'attaque sur le retour. L'idée, c'est que tu vois pas mon vote, comme ça, tu n'es pas influencé, c'est très important. Donc, c'est parti. Ok, mon vote est passé, je vois qu'il y a déjà pas mal de votes, en tout, là, déjà 5 votes en place, très cool, n'hésitez pas à continuez, donnez votre avis. Vous savez, jusqu'à la fin, du coup, de cette émission, je vais certainement encore vous rabâcher avec ça. Pour les derniers qui sont arrivés, je vous rappelle que vous pouvez voter directement, du coup, sur le lien teach.motion-live.com/émission. D'accord ? Ça se passe juste en dessous. Je répète, teach.motion-live.com/émission. Je te remets le lien juste au-dessus, ici. D'accord ? Ceci étant fait, on va attaquer du coup les retours que je vais pouvoir faire à tous les élèves qui ont participé. Donc là, je ne vais pas faire un retour seulement aux élèves qui sont en finale, mais vraiment tous les élèves pour que n'importe qui puisse absolument pouvoir tirer des retours de ça et qu'ils puissent du coup se dire « Ok, super, je vais pouvoir m'améliorer grâce à ces retours et pas avoir fait ça pour rien. » Ça, c'est important. C'est parti, on attaque. Donc si je repasse ici, d'accord ? Tu as vu le résultat, j'espère que ça t'a pas influencé. Pendant quelques instants, je vais remettre ma tête ici, donc là tu peux me voir. Et puis ben, je vais descendre jusqu'au premier travail et on va se faire un retour ici. C'est parti donc pour le travail de Romain, d'accord ? Salut Johan, salut à toi, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas Johan à aller voter pour un des trois finalistes, hein, tu es dedans d'ailleurs, avec Olivier, et le troisième, c'est Guillaume, donc n'hésite pas à aller voter, ça se passe sur teach.motion-live.com/émission. C'est parti, donc on commence avec le travail de Romain, on va voir un petit peu du coup ce qu'il a fait, ce qui aurait pu être amélioré, ce qui est déjà super bien, et derrière, on passera à la suite, c'est parti.
Je vais mettre du son, je sais plus s'il y a du son dans le travail de Romain. On a du son. Ok, allez, on va se la refaire du coup, cette fois-ci sans son, pour que je puisse du coup commenter. Je vais hop, rebalancer la musique, voilà. Alors, ici, sur ce travail, ce qui est déjà très bien, c'est le drap. Là, le drap, il y a vraiment un taf, ça marche très très bien, je trouve que c'est un beau tissu. C'est très cool. Il y a un autre truc, par contre, il y a un problème de compression. Je ne sais pas si ça vient de la vidéo originale, si c'est YouTube qui compresse comme un gros bâtard, mais là, vu ça, là, après toi, tu dois voir en plus en surcompressé derrière, donc je suis pas sûr que tu le vois, mais... bref, il y a vraiment un... Ah là, tu vois, voilà, là, on voit bien, il y a vraiment un problème d'encodage, là, tu vois. Et ça, ce type de problème, c'est pas YouTube qui le crée, c'est vraiment un problème d'encodage à la base. Un poil dommage, je trouve, ça enlève un peu une qualité à la vidéo. Pas trop grave, mais c'est un peu dommage. Sinon, les pêches, je trouve, bien modélisées, elles fonctionnent bien. Le drap est très bien. Pareil, le décor est pas mal du tout. Non plus, je trouve que le mur fonctionne bien ici. Donc ça, c'est assez cool. Par contre, Romain, je sais que t'aimes bien faire ça, mais je vais encore t'engueuler pour ça. Il faut arrêter de faire ces espèces de fusions d'images là. On en avait déjà parlé ensemble. Je sais que ça vient de ralenti dans Premiere. Interdit, hein, ça fait vraiment cheap. Hein. Interdit de faire ça. Ça, c'est genre de fusion d'images, tu vois, on voit deux images en même temps. Ça fait vraiment cheap. Interdit. Alors, un truc qu'on pourrait améliorer sur cette vidéo, c'est qu'en fait les mouvements de caméra ils sont lissés en fait, tu vois, ils démarrent doucement, ils accélèrent, ils ralentissent, regarde, doucement, j'accélère et je ralentis, 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 et ça le problème, j'accélère et alors pour le coup à la fin c'est bien, le problème c'est que ça va vraiment capter la dynamique de ton montage en fait, d'avoir un mouvement qui fait. C'est très naturel comme mouvement quand on fait des mouvements organiques, genre tes mains elles bougent un peu comme ça, etc. Mais sur des cravings de caméra, sur des rotations de caméra, au contraire, on essaie plutôt d'avoir des mouvements parfaitement linéaires, donc avec une vitesse qui ne change pas. Et tu verras, si tu fais ça, tu auras un montage qui sera beaucoup beaucoup plus dynamique. Donc si t'as une caméra, au lieu de faire ça, tu vois, elle peut faire ou ça, la caméra, là c'est ce qu'elle fait, elle fait doucement, j'accélère, doucement. Si elle fait ça de manière linéaire, comme ça. Et ben on va avoir un mouvement et un montage beaucoup plus fluide, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus, qui a beaucoup mieux s'enchaîner. Donc là, le conseil que je peux donner à Romain ici, c'est de rendre tes courbes de caméra en linéaire et non pas en bézier. Ensuite, je pense qu'il manque une HDRI sur cette image. Parce que tu vois là, l'épée, il n'y a pas assez de réflexion. On sent pas assez l'environnement dans lequel elle est. Alors, ça peut venir de deux choses. Déjà, je pense que la lame est pas assez. Elle m'a l'air métallique, mais pas sûr. Non, je pense qu'elle est pas métallique en fait. Et ensuite, j'ai l'impression que. Mais en fait, au-dessus, il n'y a rien quoi. Et il faudrait une HDRI pour pouvoir rendre tout ça un peu réflectif. Pareil pour le drap. Le drap est cool. Par contre, je trouve qu'il manque un peu de. C'est un peu blanc quoi. C'est un peu blanc, ça manque un peu de. Ça manque de shader, alors ça pourrait être de la transluence, un drap ça sera pas parfaitement totalement opaque. Ça peut être de la texture pour mettre un peu de couleur, mais en tout cas il est vraiment blanc. Après c'est pas trop grave qu'il soit vraiment blanc, mais le truc c'est que lui il est blanc, plus l'épée blanc, ah ça donc c'est un petit poil bizarre je trouve. Je pense que aussi tes shaders en général, de toute façon manque ici là, sur toute cette image là, les shaders manquent de détails. Tu vois là c'est vraiment juste un bronze, ça manque d'un noise dans la roughness, ça manque de tout ça. Pareil, ce qui est trop dommage avec ce glow là, un peu noise, tu vois, c'est cool. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il éclaire pas vraiment en fait. Tu vois, il éclaire pas vraiment la table. Il n'y a pas un vrai éclairage, c'est pas une vraie mission. J'ai l'impression que tu as rendu ça avec Eevee. En tout cas, c'est l'effet que ça donne. Et c'est vrai qu'Eevee, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce genre de choses. Ça aurait été beaucoup mieux, je pense, si tu avais fait le rendu juste en changeant rien, mais sur celle-ci. Pareil, ça manque d'ombre, ça manque d'occlusion, tu vois, là si on regarde juste cette image là, on a l'impression que l'épée, elle vole un peu sur le drap, alors qu'en fait, elle devrait vraiment être posée dessus. Je me doute bien que dans cette 3D elle est posée dessus, mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'occlusion, d'ombre d'occlusion, ça donne cet effet là.
Bon, sinon, c'est quand même du super boulot. Il y a un bon boulot de taf, il y a un bon boulot de texture, de modé, etc. Même le drap est vachement bien fait. Donc, il y a beaucoup de choses très positives là-dessus. Hein. Donc, là-dessus, déjà, je pense qu'on peut féliciter Romain sans souci. Là-dessus, bravo. Et voilà, quelques petits points qui peuvent être améliorés. Je terminerai aussi par faire dire attention aux subdivisions. C'est un peu dommage ici qu'on voit les faces. Mais en tout cas, c'est du super boulot, donc bravo à toi. Allez, passons à la suite. Je rappelle, hein, si vous voulez voter, ça se passe du coup sur le site de l'émission. Là, juste en haut à droite de l'écran, teachpromotion.com/émission. On regarde les résultats des trois gagnants à la fin de cette émission. Donc, ça va être de se priver. Allez, c'est parti. On va reprendre pour Johan. On va déjà partir sur la modée ici, image fixe. Ça, franchement, j'adore. C'est honnêtement, en termes de modé et en termes de rendu, en fait, c'est proche de la perfection, non pas parce que l'image est parfaite, mais en termes de technique, en tout cas, il n'y a pas d'erreur. Et ça, c'est très très cool. C'est très très cool. Je vais enlever le petit truc de l'émission pour vraiment que tu vois un peu l'image correctement. On a un petit glow qui est très sympa. On a un métal qui fait vraiment métal avec un petit noise ici qui vient jouer sur la roughness. En fait, pourquoi je dis que c'est proche de la perfection ? Parce qu'en fait, on sent vraiment la matière. On sent que ça, c'est du cuir. On sent que ça, c'est de l'or. On sent que ça, c'est du rubis. On sent que ça, c'est du métal. Et ça, c'est trop, trop bien. Parce que quand on arrive à là, quand on arrive à créer des matières où on sent vraiment que c'est ça, c'est que c'est gagné, en fait. C'est qu'il est gagné. Donc là-dessus, sur cette image, c'est vraiment du super boulot en modé et en shading sur ces épées. Donc là-dessus, un grand bravo. Aïe, ouais. Concernant la vidéo, on y va. Alors attends, je crois qu'il y a encore là, il y a la musique qui doit gueuler là, je suis en train de me dire. Hop, ce sera beaucoup mieux là. Voilà. Donc ici, voilà un peu ce que ça donne. Donc je vais couper le son ici, parce qu'on l'a déjà vu avec le son. Alors ça, j'apprécie énormément. Arrête de faire ça, s'il te plaît, merci. J'apprécie énormément les flammes qui s'allument là, ça marche très très bien, ça, c'est très cool. Je pense que c'est un petit poil dommage que ici la mouvement de caméra démarre. Ici, il est cool. Mais c'est, je pense que c'est un peu dommage qu'il s'arrête, genre, clac. C'est pas trop grave. Je pense pas que ça peut être considéré comme, comme quelque chose qui fonctionne pas, tu vois. Mais je pense que, voilà, on a un petit blocage. Et on aurait pu couper pendant le mouvement ou peut-être le faire s'arrêter plus doucement. Bon, c'est du détail, mais voilà un petit peu. Ce que j'avais là-dessus, le reste ça marche bien. Je trouve que le mur derrière, malheureusement, fait un poil cheap. On a plutôt l'impression que c'est du carton, tu vois, à la limite, ici. Bref, je trouve qu'en termes de qualité sur le mur, en termes de shading, on n'est pas sur la même qualité que tes épées, quoi. Un autre truc, un poil dommage, c'est cette ligne blanche ici. Ça, j'imagine que c'est un problème de compo. Et là, il y a une belle ligne blanche sur ce plan-là, tu vois, qui disparaît après. Ça, c'est cool, ça. On voit vraiment qu'il y a un taf sur le shading qui était quand même bien en place. Hein. Ça, c'est super, ça. Bravo. Désolé, Johan, désolé. Allez, on va se faire du coup l'épée du feu en premier. Le feu marche pas mal, le feu est vraiment pas mal. Le seul truc qui a un poil dommage, c'est la couleur de ta lame en fait. Le problème, c'est que logiquement, ton feu, il est censé éclairer ta lame. Et pourtant, tu vois, j'ai pas l'impression que ta lame, elle soit plus claire dans le feu qu'à côté, tu vois. Elle est juste un gris, tu vois. Alors qu'elle devrait être rouge, flamboyante, tu vois. Je sais pas si t'as déjà vu une lame qui brûle, mais en fait, elle est méga rouge. Je sais pas si t'as déjà vu cette séquence dans Pirates des Caraïbes, où le premier, où Jack Sparrow, il se bat avec Orlando Bloom, pardon, dans la taverne. Et à un moment, il y en a un des deux, je me souviens plus lequel, qui fout son épée dans le truc à brûler, et l'épée, en fait, la lame, elle devient parfaitement rouge. En fait, là, t'aurais dû animer le shader dans ton épée pour qu'elle soit rouge flamboyante, tu vois, avant d'aller chercher ta flamme. Ensuite, une épée qui... le rendu de l'émission était moche, alors ça, je suis navré pour toi. À la limite, on pourra regarder ça ensemble, si tu veux, envoie-moi ta scène, on pourra checker d'où ça venait. Souvent, ce genre de truc, on allait faire en deux fois, faire le rendu de la lame avec l'émission, et la flamme, on va le rendre en une... sur une couche noire et on va la mettre en addition à la fin pour éviter justement ces superpositions de missions qui peuvent faire un peu bizarre. Ensuite, avant de mettre des flammes, en fait, moi j'aurais rajouté surtout des étincelles parce qu'une lame qui brûle, ça fait des étincelles et des petits morceaux de métal qui vont tomber. Et ça aurait déjà amené vachement beaucoup plus de détails en fait à cette simulation. Donc
Lame flamboyante en rouge, étincelle. Et à la fin, du coup, tu rajoutes tes flammes. Et là, tes flammes, je trouve qu'elles manquent un peu de glow, en fait, parce que elles sont. Enfin, on a pas. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont juste posées sur ton plan. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'elles éclairent vraiment ta scène. Tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. Et je pense que ça pourrait jouer au compo juste. Tu la crames, en fait, un peu. Toutes tes parties, elles devraient être pure blanche avec un bon glow dessus. Tu vois. Je sens pas ça là. Je sens pas ça. Et un dernier truc aussi, c'est qu'en fait, ta flamme ici, voilà, ça. J'ai du mal à comprendre cette couleur de ce rose pâle un peu transparent. Un feu, on va vraiment avoir cette couleur-là. Et si on l'a, je pense pas que ce soit aussi transparent. Mais après, je pense que ça, si la lame avait été flamboyante rouge, ça aurait beaucoup moins choqué. Donc je pense que là-dessus, pas certain que ça vienne de là. Dans tous les cas, voilà un petit peu ce que je peux dire. Ce que j'aime bien, par contre, avec la flamme, la simulation marche bien. Ça, c'est cool. La petite fumée aussi noire qui arrive derrière là, ici, ça marche bien. C'est cool. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on aille chercher quelque chose où on sente vraiment que c'est la lame qui est en feu, tu vois. Et que là, pour l'instant, on sent encore, malheureusement, que c'est encore un peu déposé dessus. Et pour ça, je pense que déjà, l'émission de ta lame aurait amené un truc bien plus important. Après, sinon, honnêtement, le feu est quand même pas mal du tout. Hein. Je sais que c'est pas du tout évident de faire ça, donc je sais que je fais beaucoup de critiques là, mais c'est quand même du super travail en fait, hein, il faut s'en rendre compte quand même. Alors, c'est parti pour l'eau. Alors ça, je trouve que c'est un des plus beaux plans de ton film, ici. On prend vraiment le glow qui s'éclaire, on voit vraiment qu'il y a un impact sur la lumière du reste, on sent vraiment un petit glow ici en compo, les petites dents, enfin bref, ça, c'est ça, putain, ça j'adore. Ça, c'est vraiment un super beau plan, c'est pas compliqué, tu vois, mais bordel, c'est bien composé, il y a une belle distance focale, enfin, il y a une belle lumière, ça, c'est cool, ça, c'est vraiment super, super, super plan. Hop, les petites animes que t'as fait, là, des épées, elles sont très bien, je trouve. Alors, là, malheureusement, pareil, je sais que c'est super difficile, hein, mais là, pour le coup, je trouve que ton eau, c'est l'effet qui marche le moins bien du film. Je sais que c'est hyper, hyper galère, hein, la simulation d'eau, hein, je jette la pierre à personne. Mais après, le fait est que, voilà, s'il faut critiquer, ici, en fait, on a quelque chose qui est beaucoup trop grossi, en fait, par rapport à ta lame. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as fait le choix de partir avec une simulation d'eau type domaine, etc. D'accord ? Une simulation de fluide. Alors qu'en fait, là, pour de l'eau comme ça, tu vois, là, il faut une simulation de particules. Simulation de particules et pas de simulation de mèche. La simulation de particules va te permettre d'avoir des choses beaucoup plus fines, d'accord ? Je te donne un exemple. Simulation d'eau, ici on est là. Simulation de particules, on serait plutôt sur la partie effet de sang qu'on avait dans Blender Smell. Donc on a des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus douces. La simulation de flotte, comme ça, elle va plutôt être utilisée pour faire un truc avec des vagues, des mers, un fluide dans un verre, genre de choses. Mais quand t'as un splash comme ça, parce que là, ton épée, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle fait un splash, tu vois. Les splash, ce sera des particules. Ou alors vraiment de la simulation de fluide, mais hyper, 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 hyper définie. Et du coup, ça coûte hyper cher en termes de rendu. Et la plupart des gens n'ont pas les PC pour faire ça. La simulation de particules ici, c'est vraiment la solution qui te manquait, je pense, à la place de la simulation de fluide. Donc, simulation de particules à la place de la simulation de fluide, je pense que t'auras un résultat beaucoup plus fin. Parce que là, du coup, ton mesh, il est beaucoup trop épais. On a plutôt l'impression de voir un truc très visqueux. Et le problème aussi, c'est qu'on comprend pas de où est-ce qu'il apparaît, tu vois. Ok, l'épée crée de l'eau. Super. Mais, en fait, on est quand même d'une image à l'autre. Toi, t'as le truc qui apparaît, tu vois. Logiquement, le mesh au début, il devrait être aussi fin que l'épée, tu vois. Je me doute bien, encore une fois, que ce que je dis là, c'est super difficile à faire. Hein. Je le sais, c'est un enfer. Tu imagines que ta taille de domaine, en plus, elle devait être vachement grande là. Tu m'as dit en plus que t'étais ric-rac sur les temps de rendu. J'imagine même pas la galère. Mais, si par contre, tu dois critiquer, on va dire, sur une base, juste voilà, je vois l'image et je réfléchis pas à comment c'est passé derrière. Et bah, en fait, là, ta simulation d'eau, elle est beaucoup, beaucoup trop énorme, en fait, en termes de taille. Et c'est ce qui fait, en fait, ce côté un peu. Il manque de finesse, tu vois. Avec des particules, ça aurait été beaucoup plus simple et t'aurais un résultat beaucoup, beaucoup plus fin. L'eau, on va rarement l'utiliser, encore une fois, pour les splatchs, on va plutôt l'utiliser pour un conteneur. Un contenant, un verre d'eau, un verre de whisky, un verre de pinard, ça peut se faire avec de l'eau, avec une simulation de fluide, une mer, un océan, un lac, ça peut se faire avec une simulation de fluide, et encore, des fois, on va mixer entre ça et simulation de particules, même, la plupart du temps, on va utiliser les deux, un robinet, un de l'eau dans un lavabo, tu vois, tout ça va être des simulations de fluide. Mais quand t'as des splatchs comme ça, on va éviter les simulations de fluide parce qu'elles font souvent assez grossières. Après, voilà. Une première simulation, ça, c'est quand même vraiment sympa et c'est cool, hein. Là-dessus j'ai rien à dire.
Pareil, super beau plan, ça, je trouve, c'est très très cool. Je dirais, j'ai l'impression, je veux quand même, attends, je vais quand même vérifier, parce que je veux pas dire de bêtises. Ouais, je ne sais pas si ça, c'est une coupure de texture ou pas. J'ai l'impression. C'est pas grave, on l'a pas vu. Bah ouais, je sais bien, Johan, qu'en réduisant le domaine, c'est un bordel. Non, mais tu peux pas, en fait, tu peux pas réduire le domaine, c'est pas la solution. Si tu réduis le domaine, du coup, ta simulation, elle rentre plus, en fait. Donc, en fait, tu peux pas réduire le domaine, tu peux juste augmenter ta définition, en fait. Donc, genre, tu prends ta simulation et tu augmentes sa définition, mais c'est un bordel, c'est super difficile. Parce que, du coup, tu vas avoir des caches qui vont être monstrueusement lourds. Enfin, ça amène une complexité qui est monstrueuse, en fait, d'augmenter la définition de ton domaine sans toucher à sa taille. Mais on pourra en parler. Honnêtement, à la limite, fais-moi un petit coucou dans le chat et on se fera un petit rendez-vous à la limite pour voir un petit peu toutes les modifs qu'il est possible de faire. Je voulais vraiment un effet de vague, ouais, ok. Bah, le truc c'est que j'ai du mal à comprendre comment une épée comme ça, tu vois, pourrait créer un effet de vague, tu vois. Si on y réfléchit, tu vois, tu prends la plus grosse épée du monde, tu vois, et tu prends la lame, et à la place de la lame, tu mets de l'eau, tu vois. T'as beau, je pense, faire ce que tu veux avec ta lame, t'auras jamais une vague, quoi. T'auras juste des splatchs, tu vois, comme une bouteille, tu vois. Tu prends de l'eau dans une bouteille, tu vois. Je pense pas que tu puisses avoir plus que ça. Et je pense que c'est aussi ça qui fait bizarre. C'est que, du coup, en fait, ta simulation d'eau, en fait, en termes de puissance, elle est disproportionnée par rapport à l'épisode de ta lame, tu vois. Si t'avais mis cette simulation d'eau qui sortait d'un chaudron, par exemple, et bah, ça aurait beaucoup moins choqué. Mais le fait que, tu vois, là, on voit la taille de l'unité d'eau, tu vois, par rapport à la lame, tu vois, c'est juste monstrueux. Et je pense que c'est aussi ça qui fait un peu bizarre. Mais oui, t'as raison, c'est magique, je n'ai rien dit. Ouais, ça marche, on pourra se faire un rendez-vous, tu m'envoies un petit message dans le chat et on fait ça quand t'es dispo. Hop, ça coule. Alors ça, pour moi, c'est ton effet ici, l'effet du vent. C'est l'effet le mieux réussi de la vidéo. Donc là-dessus, bravo. On va se le regarder. Hop. Si elles sont filmées, avec le petit mouvement de caméra à la fin, celui-là, il marche vraiment très bien. Pour le coup, l'eau, je trouve que ça marchait moyen. Je trouve que celui-là, il est vraiment cool. J'ai vraiment pas grand-chose à dire, celui-là. Vraiment, vraiment, le petit... Avec, y a un peu la petite fumée, on sent que c'est de la simulation qui vient s'étaler sur le sol avec un petit vortex. Ça marche très très bien. Franchement, le vent est vraiment très cool et j'ai pas grand chose à dire en fait. Hein. Il est vraiment très 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 très, très bien. Là-dessus, bravo. Tu t'es vraiment emmerdé en plus à la caméra qui fait. C'est cool, c'est très cool. Et du coup, pour la simulation de. Enfin, la destruction, ici. Alors, là, pareil, on est sur un. Je trouve qu'on est sur un système qui fonctionne assez bien. Je trouve que là, le résultat est vraiment assez propre là-dessus, donc ça, c'est assez cool. C'est assez cool. Je trouve qu'il est un peu en dessous du vent, on va dire. Je trouve qu'on est plutôt au niveau du feu ici en termes de qualité. Qu'est-ce qui, pour moi, me manque un petit peu? En fait, alors, je trouve que ton sol, il se détruit en des gros morceaux, et ça, c'est assez cool. Mais ça manque un poil de finesse en rajoutant des petits morceaux. Et souvent, les petits morceaux, en fait, on va les rajouter en particules en plus, ça fait un... tu vois, qui vont être des petites instances de petits cailloux, tu vois, et se ramener beaucoup plus de finesse, et à la fin, en compo, j'aurais ajouté un peu de fumée aussi, en compo, tu vois, genre des socks, se ramener beaucoup de détails dans ta destruction. C'est juste ça. Après, honnêtement, la base est là, je trouve que la destruction, elle marche vachement bien, c'est très cool, juste, voilà, des petits trucs ici, petites particules au sol, et en compo, des petites trucs de fumée, ou même, dans ta 3D, des plaques qui font de la fumée, tu vois. Donc là-dessus, voilà. Alors Romain, pour répondre à ta question, si je give, on va dire, a try, je pense que tu as utilisé un petit plug de Blender qui s'appelle The Fracture Tool, et après tu as utilisé l'outil de Rigid Body pour le faire, je pense. Et je me doute bien que c'est le temps qui manque, évidemment, c'est tout aussi le principe de ce challenge, c'est que t'es limité dans le temps, et du coup tu peux pas avoir un truc parfait, je sais bien, et je sais que ça peut être frustrant, mais c'est aussi parce que, en fait, dans la vraie vie, c'est carrément comme ça, en fait. Dans la vraie vie, mon pauvre garçon, tu n'es jamais satisfait du rendu que tu rends à ton client ou à ton manager, tu vois, parce que t'as pas le temps de finir, mais c'est comme ça, en fait, c'est pas grave. Le mieux, c'est d'essayer de faire le mieux que tu puisses faire dans un temps donné, d'accord ? Donc voilà, ce sera jamais parfait et c'est bien normal et c'est pas ce qu'on cherche, c'est en fait juste on cherche à aller le mieux, le plus loin possible avec le temps qu'on a. En tout cas, super super taf Johan, hein, y a rien à dire, c'est vraiment du méga boulot. Y a pas mal de choses, même
la majorité des choses en fait qui fonctionnent très très bien. Je repense au CP. Quelques petites, si je puis dire, petits trucs, je dirais, à modifier sur les simulations. Après, je sais que c'était tes premières, notamment en eau. Mais globalement, il y a pas mal de choses qui sont en place. Il manque pas grand chose pour aller sur le next step, quoi. Donc là-dessus, un immense bravo. Voilà. Donc si vous voulez voter pour Yohan, hein, puisque Yohan fait partie des finalistes, ça se passe du coup sur teach.motion-live.com/émission. Je vous le remets en haut à gauche, droite, gauche de l'écran, je sais pas. Bref, il y a un petit encadré là. Voilà, ici. pour aller voter. Encore une fois, on regarde les gagnants à la fin de cette émission. C'était Yohan. On passe du coup à la suite. Guillaume, qui fait aussi partie des finalistes, avec qui vous pouvez aller voter. Bon, Yohan, c'est pas grave. T'as le droit de monopoliser le chat, vas-y. mais en tout cas, avec plaisir, Yohan. Merci à toi d'avoir participé. Super taf. Guillaume, du coup, qui fait aussi partie des finalistes de ce challenge, avec ces trois images, donc une modélisation d'épée et deux mises en scène dans l'environnement. On va revoir ça en grand écran et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, la modélisation ici est, on va dire, un petit peu le lighting, shading et rendu de l'épée sur fond noir. Moi, je dois dire que c'est vraiment du super taf, ça. Pareil, même remarque en fait que j'allais dire sur ce que j'ai fait sur Yohan tout à l'heure au niveau de l'image. On est assez proche de la perfection, je trouve, en termes techniques. Salut Mara, bienvenue. Parce que globalement, je vois pas une seule erreur de technique pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute de rendu. Il n'y a pas de faute de noise, il n'y a pas de faute d'éléments qui fait que ce serait raté. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que du coup, là, cette image-là, en fait, en termes d'erreur, il n'y en a pas. Et ça, c'est très cool parce que ça veut dire que quand tu arrives sur ce côté-là, ça veut dire que tu arrives sur des niveaux qui sont professionnels, en fait. Donc là-dessus, Guillaume, un énorme bravo pour ce taf parce que globalement, il y a vraiment un très, très joli boulot en modélisation, comme en lumière, comme en shading. Donc là-dessus, bravo, bravo, bravo. Et on sent d'ailleurs qu'il y a un méga boulot sur à ce niveau-là, ici. On a cette image qui part du rose, ici, enfin du orange-rose, pour aller vers le bleu cyan. C'est vraiment un taf, ici, en fait. On sent que ça a été réfléchi, on sent que c'est pas juste un shader mis à l'arrache comme ça, et on le voit parce que c'est pas que du shading, hein. On a aussi, tu vois, la light, ici, la rim light rouge qui vient ici caler. Bref, il y a pas mal de choses qui fonctionnent très bien. Je trouve que le lighting, ici, sur les petits trucs en glow, là, ça marche très très bien. Bref, super super boulot. J'ai vraiment pas grand chose à dire à ce niveau-là, Guillaume, si ce n'est un grand bravo, parce que globalement, en termes de modé, shading et rendu, enfin lighting rendu, on est vraiment sur un niveau là qui est clairement professionnel. Donc, un grand bravo à toi, c'est du super boulot. Alors, sur maintenant l'environnement. Donc, oui, en effet, du coup, je crois que ton prénom c'est... Attends 30 secondes. Hakim, oui, en effet, Hakim, du coup, il y a un Romain dans le curseur social, je crois, en effet. L'environnement ici, du coup. Globalement, alors, l'environnement, du coup, comme tu l'avais dit sur le forum, et je suis aussi d'accord avec toi, c'est quand même du super taf, et c'est vrai que c'est en dessous de ton épée, parce qu'en fait, du coup, on va commencer, en fait, à sentir les patterns de répétition dans ton environnement, tu vois. Par exemple, si je vais sentir les streaks, tu vois, sur le mur, ce qui est un peu dommage, pareil, je vais sentir un petit peu les patterns de répétition ici. Je trouve quand même qu'il y a quand même un super taf en shading. Je trouve que le shading de l'herbe ici marche assez bien. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont en place en fait, qui sont cool ici et même là en termes d'herbe, etc. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont en place. Écoute, Mara, c'est tout ce que je souhaite à Guillaume d'être meilleur que moi. Il est bien parti en tout cas. C'est clair qu'il est bien parti pour m'exploser et tant mieux parce qu'en fait c'est vraiment exactement le but de l'école Friday 2. Le but de l'école Friday 2, c'est que les élèves puissent se tout défoncer en fait. Et c'est clair que Guillaume pour le coup et comme d'autres hein, comme Yohan, Olivier, etc. Sont vraiment partis pour aller très loin et me défoncer la gueule. Et c'est tout le principe en fait. L'élève qui dépasse finalement le maître, le guide, ce que tu veux, c'est exactement nous ce qu'on cherche à faire dans le cursus H3L2. Donc je peux que encore dire un grand bravo parce que ça c'est vraiment très cool. Et là-dessus, du coup, voilà, sur le, il y a quand même des super trucs en shading. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs en place. Même je trouve que la modée des cailloux marche bien, etc. Par contre, je trouve que voilà, sur le mur, en fait, surtout sur le mur et sur le dessus là, on sent un peu le pattern de répétition. Je trouve qu'on est moins dans ce côté vraiment organique, naturel. On a plutôt un pattern de répétition, tu vois, qui est un peu bizarre derrière ici. Voilà. Mais sinon, je trouve que ça marche assez bien. Je trouve que ça aussi, c'est pas trop mal. Je trouve que En soi, ici, c'est quand même manque peut-être un poil de détails, tu vois, il manquerait peut-être un petit peu de particules, un petit peu de cailloux ici, bref, ce serait assez sympa d'avoir ça. Pareil ici, je trouve que là, la texture de tout ça marche assez bien. En plus, là, on voit l'épée qui est rangée dans son truc et tout, c'est assez cool. J'aurais tendance à dire que ça manque un poil de diversité,
en termes de texture. Tu vois, là, c'est vraiment le même shader partout. Alors qu'en vrai, sur une caisse comme ça, t'aurais plutôt, en fait, certainement le truc qui tient l'épée, qui sera d'une couleur et d'un matériel différent que la caisse dans laquelle elle est, souvent. Et aussi, bah là, du coup, voilà, là, c'est clair que le fond pêche pas mal, parce que du coup, là, on sent vraiment tes patterns, là, on sent la texture tirée et ton pattern de displays dessus. J'imagine que c'est la displays, hein, ça. Et du coup, malheureusement, là, ça marche pas moins bien. Mais sinon, en fait, on a quand même du super travail sur le reste. Finalement, en fait, il y a juste à aller retravailler un petit peu cet environnement, d'accord ? Recomprendre un peu mieux comment fonctionne la displays, comment fonctionnent les patterns de texture pour qu'il y ait moins de répétition, comment tu peux arranger ça avec des noise pour avoir plusieurs types de patterns, et comme ça, pour, en fait, ce qu'on appelle breaker la répétition, casser la répétition, tu vois, et ça marchera super bien, j'en suis persuadé. Il te manque pas grand-chose, honnêtement, pour avoir un environnement réaliste. Après aussi, je pense que dans ton environnement, ce qui fait aussi un peu cheap, c'est qu'il manque de détails, en fait. Ton détail, là, quand on regarde juste les modèles de ton environnement, on a les cailloux, le gros caillou là, et le trou ici, et c'est tout. Alors qu'en fait, un environnement comme ça, une grotte, t'aurais tellement plus de choses, en fait. T'aurais des lianes qui vont monter, des machins, des cailloux, des trucs fissurés, des peut-être des anciennes statues, etc. Enfin, t'aurais plein de choses qui font que ce sera aussi plus crédible. Je pense que là, ton environnement, il est un peu pauvre en termes de nombre d'éléments. Et c'est aussi pour ça, du coup, je pense que ça fait moins crédible. Regarde, si derrière, je mets une petite statue, tu vois, déjà, ça cache ton environnement qui est avec une displays, et ça vient, du coup, ajouter un peu de crédibilité, si je puis dire, à ton environnement. Mais encore une fois, c'est vraiment du super boulot. Et l'épée, pour moi, on la refait une fois. Hein. Ça, pour le coup, par contre, en termes de boulot, là, on est vraiment, encore une fois, comme je disais, proche de la perfection. Il y a énormément de choses qui sont en place. Donc là-dessus, un immense bravo sur ce travail. Parce que je me rends... Enfin, je sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais en tout cas, moi, je me rends compte, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Enfin, un truc comme ça. Il y a beaucoup de... Tu vois, en fait, on se rend pas compte, mais des détails, tu vois, les petites vis, les petits machins, les petits trucs là, les petits trous, la petite lumière par-dessus, tu vois, les petits tuyaux ici, clac, 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 qui viennent, hop, se visser ici. Enfin, tout est bien pensé, on sent que ça a été construit de manière logique. Et ça, c'est cool, en fait, parce que c'est souvent le problème des erreurs qu'on fait quand on débute en modé, c'est qu'on fait de la modé, mais qui a aucun sens, en fait, physiquement parlant, en fait. Si on voulait le construire, l'objet, on pourrait absolument pas, tellement c'est what the fuck. Là, c'est pas le cas, tu vois, on voit qu'il y a des vis, des trucs qui tiennent les trucs pour que ça maintienne et tout. C'est cool, enfin, c'est vraiment du bon boulot. Un immense bravo à Guillaume. Guillaume était notre deuxième finaliste. Guillaume, tu peux aller voter sur le site teachpromotion.rev/émission, donc ça s'affiche juste en haut, pour lui, si tu as trouvé son travail vraiment bon et que tu penses qu'il mérite de gagner ce challenge par rapport à Johan et Olivier. Donc, n'hésite pas à aller voter pour lui. On regarde le gagnant à la fin de cette émission. C'est parti, on continue. Alors, voyons maintenant le travail de Ubaida. Un beau travail de modé ici, Ubaida, qui a été fait du coup sur cette épée. Alors, moi, ce que j'aime bien déjà sur cette épée, c'est la mise en scène. Il y a une ancienne qui est en place, qui est pas mal. Je trouve qu'il y a aussi une base de modé qui est là, un éclairage qui est là. Ça, c'est cool. Les petites rim lights ici, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez sympa. Pareil, ces petits anneaux là, je trouve ça assez cool. Bref, il y a pas mal de choses en place. Je trouve qu'il y a une base de modé qui est en place. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais fait pour aller plus loin dans ce boulot ? Ici, je pense qu'en modélisation, on est encore un peu pauvre. Je pense que là, il y a un next step à avoir pour arriver sur une modé plus détaillée. D'accord ? Donc. Notamment au niveau la lame, pourquoi pas. Par contre, au niveau du manche ici, là, c'est beaucoup trop simple. On sent trop les faces ici. On sent trop que ça, c'est de la modée 3D. Parce que justement, il n'y a pas assez d'éléments. En vrai, tu vois, tu vas avoir la chose qui va pas être parfaitement linéaire, parfaitement droit. Tu vas avoir des bevels sur les bords pour accrocher la lumière. Tu vas avoir des rayures qui font que ce sera pas tout le temps droit partout. Bref, tu peux, je pense, pousser cette modélisation pour avoir un truc plus doux, plus réaliste et plus crédible. Et ici, avoir quelque chose de plus rond. Alors Mara, du coup, si tu veux participer au challenge de l'école H3D2, eh bien, il faut faire partie du cursus H3D2, d'accord ? Donc le cursus H3D2, c'est une école qui te permet, donc une école en ligne, hein, qui te permet de apprendre à la 3D, de créer ton premier shuril et de trouver un travail. Les candidatures d'ailleurs sont ouvertes jusqu'à ce soir minuit, hein, d'accord, c'est la fin des candidatures ce soir minuit. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'elles réouvriront, ce sera c'est à peu près tous les 6 mois, un an, donc dans tous les cas, ça te donne à peu près une idée de quand est-ce que la première fois que ça ouvre. Donc si tu veux candidater, ça se passe sur h3d2.school, et si tu veux du coup avec ça pouvoir participer au challenge, et bah c'est le moment. Salut Guillaume, on vient de passer ton travail, super boulot, bravo à toi, tu pourras voir du coup la rediff si tu le souhaites. Mais en tout cas, il y avait du très bon travail. Ah bah, je vois que tu l'as vu, donc super. Merci Guillaume, merci à toi aussi d'avoir participé, parce que il y a un taf qui est là et c'est cool. Alors du coup, Baida,
Donc comme je disais, la monnaie ici manque de douceur, manque de rondeur, manque d'un peu de détails. Je pense que là tu faudrait mettre quelques Z-loops et un petit coup de subdivision pour avoir quelque chose qui soit plus en place. Ici pareil sur le manche en bois, tu vois, on sent que ça, ça a envie d'être rond, tu vois. Mais pourtant ça l'est pas, tu vois, ça fait clac, clac, clac. Pareil, ça manque de subdivision. Dommage. Après, je pense qu'aussi il y a un travail à faire au niveau de l'environnement et du lighting. Ici, je trouve que ton lighting, il est bien, je trouve qu'il y a une bonne dream light et tout, ça c'est cool, mais je trouve qu'il met pas beaucoup en valeur ton épée. Je pense qu'il manque une light quelque part, peut-être là sur le bord ici pour un truc ici qui montre un peu, mais je pense qu'il y a un élément qui manque, qui mettrait plus en valeur ton épée, et un autre truc, c'est cette espèce de d'ombre ici par terre, ça c'est pas très esthétique, et ça va attirer le regard, ça attire vachement le regard cette partie-là par rapport à ton épée qui est là, ce serait cool que ça aurait été noir plutôt, tu vois. Ça marche, Oubaïda. Et ensuite, je pense qu'il y a un autre truc où là, il y a encore un peu de travail pour que ce soit vraiment crédible, c'est au niveau des shaders. Des shaders, déjà en fait, il n'y a pas d'HDRI dans ton rendu, et du coup, ça se voit. Tu as pas mal de matériaux qui sont réflectifs, tu vois, ça c'est réflectif. Pourtant, comme tu n'as pas d'HDRI, ça ne reflète rien. Et du coup, c'est dommage, ça fait très pauvre en fait. Mets une HDRI, et après, il faut vraiment que tu travailles tes shaders, il faut qu'ils soient métalliques, et il faut que tu leur mettes un noise dans la roughness, dans leur color, pour avoir des choses qui soient plus aléatoires et plus cohérentes. Tu vois, là, ta lame, logiquement, ça doit être un miroir, carrément. Quasiment. Je sais pas si t'as déjà vu une lame d'épée, mais c'est quasiment noir, on peut se voir dedans. Alors que là, tu vois, j'ai l'impression que c'est quasiment du caoutchouc, tu vois, ou de la gomme, tu vois. Tellement, je trouve qu'elle reflète pas assez. Donc ça, c'était le dernier point que je voulais voir avec toi. Il y a quand même un truc cool en shading, c'est cette petite boule. Là, je trouve que la boule, par contre, en termes de shading, elle marche super bien. Donc là-dessus, c'est cool, bravo. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de choses en place. Il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent hein, en termes de modé, même en demi-modé, en termes de rim light, en termes de placement de caméra, en termes de composition, c'est cool. Maintenant, il faut aller un peu plus loin que ça et aller chercher les autres niveaux sur tout ce que je viens de t'expliquer. Mais en tout cas, Oubaïda, un grand bravo pour ton travail et un immense merci à toi d'avoir participé à ce challenge. Ah. Allez, on passe à Olivier. Olivier qui est notre troisième finaliste de ce soir. Je répète une dernière fois, tu peux aller voter pour Johan, Guillaume ou Olivier sur la page du coup de teach.motion-life.com/émission. Le gagnant sera on va regarder le gagnant à la fin de cette émission. On arrive quasiment à la fin ici hein. Je crois qu'il reste encore le travail de Camille, le travail d'Olivier, on a terminé. Donc très important, n'oublie pas d'aller voter, ce serait dommage. Ici du coup le sabre d'Olivier, allez on se refait la vidéo, je vais enlever le son. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé la petite, le petit clin d'œil à Cerzano, ça, je trouve ça déjà très bien, en termes de storytelling, même si c'est pas ça qu'on juge, c'était quand même très, très cool. Alors, ce qui va sur ce travail, la modée est vraiment nickel, je trouve qu'il y a vraiment un bon travail de modélisation, tout est propre, il n'y a pas d'erreur en termes de modée ici, donc ça c'est très cool, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Le socle aussi est très bien, il y a beaucoup de gens souvent quand ils font une modélisation, ils mettent pas de socle, c'est super dommage. Là, il y a vraiment un socle. Et ce que j'adore, en fait, avec ton socle, c'est qu'il reprend les écritures de l'anneau, du Seigneur des Anneaux. Enfin, je trouve que aussi, ce qui est cool avec cette modée, c'est que c'est pas juste une modée, c'est que tous les éléments en plus de la modée, notamment le socle, en fait, sont en parfaite connexion, pardon, avec le storytelling que tu essaies de raconter sur le Seigneur des Anneaux, sur l'anneau pour les, enfin, l'épée pour les gouverneurs et tout, etc. Donc ça, c'est très, très cool. Et ça, c'est un méga plus, en fait, dans une modée, parce que là, c'est pas juste de la modée et de la créa pour de la créa et de la modée, c'est vraiment, en fait, un élément de storytelling qui vient pousser, en fait, l'histoire que tu viens raconter. Et c'est là, quoi. C'est génial, en fait. C'est trop bien, en fait. C'est vraiment trop bien. Et là-dessus, je peux que te dire un grand bravo, parce que le fait d'avoir poussé ta modée et ta création dans ton axe de storytelling, et là, pour le coup, du coup, un sable pour les gouverner tous, avec en clin d'œil, du coup, l'anneau du Seigneur des Anneaux, génial. Génial, ça marche très, très bien. Et là-dessus, je peux que te féliciter, parce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Du coup, voilà. Alors, je vais juste regarder. J'ai bien peur, par contre, du coup, je crois l'avoir vu tout à l'heure. Ouais, attention, tu vois, c'est un poil dommage ici, mais on sent les faces encore, tu vois. Tac, 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 tu vois. Un coup de subdiv en plus sur la lame pour éviter ça. C'est vraiment là pour faire le chieur, mais on les sent. Si tu approches un peu ta cam, on va les voir. Sinon, sur la modée, honnêtement, après, j'ai rien à dire, je trouve que c'est très bien.
sur le shading. Le shading, pareil, je vais refaire mon casse-couille, mais je suis désolé, les gars, mais c'est vraiment important. Il manque une HDRI dans ton rendu. Et c'est dommage, en fait. Et c'est dommage. Alors ça, c'est vraiment étonnant, Olivier, mais je pense que c'est parce qu'en fait, je crois que tu as modélisé les trucs, là, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que tu as dû galérer, parce que ça, logiquement, un objet comme ça, ça ne doit pas du tout faire ramer ton PC, tu vois. Si tu as plus de 100 000 polygones pour un objet comme ça, c'est pas normal. Et après, tu peux monter à 1 million, 2 millions, mais c'est seulement en rendu, quoi, avec la subdivision. Mais dans ton viewport, t'es pas censé aller au-dessus de 100 000 polygones pour un truc comme ça. Donc, il va y avoir un souci. Je serais très curieux que tu m'envoies ta scène pour que je vois un peu comment t'as travaillé et que potentiellement je te fasse des retours sur comment tu pourrais optimiser les choses pour pas que ça rame. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, là-dessus. J'étais du coup sur le shading, ouais, il manque une HDRI, c'est vraiment dommage, ça aurait vraiment amené beaucoup. On le voit, regarde. Ici, quand elle tourne, on voit vraiment, tu vois, une petite réflexion là dans le cadre, qui est en fait, si je me trompe pas, la réflexion du gris derrière. Ça, tu mets une HDRI derrière, mais c'est tellement propre, et puis tu aurais toute la réflexion de l'environnement qui serait dans ta lame. Tu aurais mis ta lame, tu aurais fait juste l'HDRI, tu aurais fait paf en termes de niveau. L'HDRI, hein, je le répète tout le temps, je crois que je l'ai dû répéter 4 fois dans les cours, je le répète à chaque live, c'est la base d'un lighting réussi. Aujourd'hui, c'est plus pensable de faire un lighting sans HDRI. Aujourd'hui, il y a quasiment, je crois, 30 à 40% des rendus qui sont faits qu'avec des HDRI, sans light classique. Pour te dire à quel point, du coup, ça prend une part importante, en fait. Vraiment, les HDRI, les gars, les HDRI. Allez, on se regarde. Après, en shading, sinon, je trouve qu'on est bon. Je pense que ton shading est peut-être un peu trop parfait, tu vois. On a vraiment... Quoique je trouve que là, par contre, le shading de cette partie-là, il marche très très bien. Je trouve que c'est le truc toujours ici. Mais je trouve que le shading du socle est un peu trop parfait, tu vois. Il sort vraiment de l'usine. C'est pas forcément mal parce que c'est vraiment présenté comme tel. Par contre, du coup, ça rend le truc un peu moins réaliste. Et celui qui pêche un peu plus, je trouve, c'est le truc pour tenir l'épée, là, ici, le manche. Et la lame, je trouve qu'il reflète pas assez. Encore une fois, je sais pas si ça vient du shader ou si ça vient de l'HDRI, parce qu'il n'y a pas d'HDRI. Mais dans tous les cas, on sent pas vraiment le métal. Surtout la lame, je trouve qu'on sent pas vraiment le métal. Alors que là, on le sent vachement bien. Enfin là, on sent bien le métal, et là, on sent bien la couche de bois verni. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment en place. Il manque 2-3 petits trucs, je pense, sur le shading de l'épée ici pour que ce soit vraiment parfait. Mais en tout cas, on est sur un super boulot aussi, donc un grand, grand bravo. Salut à toi, Olivier, j'espère que tu vas bien. Merci, Olivier, ça s'appelle la garde, en effet, on me le répète. Le temps, donc la garde et la lame ici pour moi manque de metalness, en fait on sent pas la metalness, pourtant on sent que ta lame elle reflète ici, hein, parce qu'on voit bien la lumière, mais en fait t'as pas d'HDRI, quoi. Je pense que vraiment l'HDRI serait fait déjà un méga morceau du taf pour toi. Ça reste un super boulot, évidemment. Il y a rien à dire, même il y a la majorité de ce que je vois ici est en super bien, et on est sur une très très bonne voie en termes de qualité, donc je ne peux que te féliciter pour les retardataires qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à aller voter, hein. Les trois finalistes sont Olivier, Guillaume et Johan. Vous pouvez aller voter sur le site de l'émission, teach.motion-life.com/émission. Je le dis parce que c'est la dernière fois où je le dis, parce que là, je fais encore un retour sur Camille, et après, c'est terminé, on regarde les résultats. Donc, c'est parti, un petit retour sur Camille. Je vais regarder s'il y a du son. Non, il n'y a pas de son. Ok, Olivier. Ça marche. Bah, du coup, là, essaie, pourquoi pas de faire. Je comprends pas pourquoi tu l'as fait sur que le socle. Pourquoi pas l'avoir fait que sur toute la partie. C'est parti pour le travail de Camille. On va se le refaire une fois. Allez, c'est parti. Alors, sur ce travail, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la modée de l'épée. Je trouve que la modée de l'épée fonctionne très bien. Elle est propre, elle est nickel, elle est douce, elle est clean, elle est lissée. Ça, c'est cool. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je trouve que le shading de l'épée aussi marche relativement bien, notamment sur le manche, ici.
Par contre, bon, là, je vais refaire mon connard, hein, mais je redis, les gars, mettez une HDRI, là, pareil, il n'y a pas d'HDRI, quoi. Du coup, c'est plat, quoi. Un truc que j'avais pas vu et que je viens de voir, par contre, ça, c'est vraiment trop cool. Bravo, Camille. En fait, il y a un œil, là. Il y a un œil qui se ferme et qui s'ouvre, là. Ça, c'est génial. J'adore. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Donc là-dessus, chapeau, parce que ça marche vachement bien. Mais alors, honnêtement, c'était subtil parce que ça fait, je l'ai vu peut-être 4 fois. Et c'est la première fois que je le vois. Donc, bravo sur l'œil là-dessus. Alors, maintenant pour moi, je pense que sur cette épée, ce que j'aurais pu améliorer, c'est les mouvements de caméra. Ton mouvement de caméra est trop rigide. Il n'y a pas de lisse, c'était trop clac-clac. Essaie de lisser tes courbes, ce sera plus joli. Ton lighting et ta mise en scène. Ici, il y a vraiment un truc un peu bizarre, je trouve. Tu vois, c'est pas assez contrasté, tu vois, on a un fond gris sur une épée gris. Tout est gris, en fait. Y a rien de noir, y a rien de blanc. L'épée, elle vole, on sait pas trop pourquoi, on sait pas où elle est. Je pense qu'il y a un taf à faire sur la mise en scène, ici, pour rendre le truc plus crédible et plus marrant à regarder. En compo, je pense que, tu vois, là, elle s'allume ton épée, c'est dommage qu'il n'y ait pas un glow et que ce soit plus contrasté. Mais je trouve que, en fait, globalement, ton rendu, ici, il manque de contraste, en fait. On a quelque chose qui est très pâle. Je sais pas ce que tu en penses, mais, tu vois, on a rien de blanc et rien de noir. Tout est nuances de gris. Et ça, ça donne des trucs très, très palo, très fade. Et ça fait souvent assez peu joli. Nous, notre œil et toutes les vidéos qu'on voit aujourd'hui, tous les films, en fait, sont parfaitement contrastés, en fait. Les blancs sont blancs et les noirs sont noirs. Donc, dès qu'on voit un truc un peu fadasse comme ça, ça nous fait un petit peu bizarre. Donc là, ça, c'est juste un petit coup de contraste en compo. Hein. Ça va assez vite à faire. Hein. Et après, je pense qu'il y a, pour creuser un peu loin, je pense qu'il y a un travail que tu aurais pu faire en mise en scène qui aurait vraiment amener l'épée beaucoup plus, tu vois. Et je pense qu'une des erreurs, tu vois, c'est que t'as fait un super truc avec l'œil ici, et pourtant que moi je le vois seulement au bout de 4 visionnages, pardon. Et ça, c'est certainement une erreur. Alors que ta mise en scène aurait dû être câblée sur le fait qu'il y ait l'œil dans ton épée, et on aurait dû voir que ça, en fait. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur la mise en scène, peut-être à faire plusieurs plans ou autre chose, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un petit truc à travailler là-dessus. Bon, au-delà de ça, ça reste un super taf, hein, parce qu'il y a une belle modélisation, je trouve qu'il y a une belle, le petit truc qui s'allume là, c'est vachement bien, l'œil, j'adore, il y a beaucoup de choses qui sont en place et qui fonctionnent, hein. c'est très très cool, donc là-dessus, un grand bravo à toi, Camille. Voilà, les petits trucs que je viens de te donner ici, ça peut être des bons axes d'amélioration sur ton travail. Et voilà, on est à la fin de ce challenge, je pense avoir tout fait ici. Je vais partager un petit lien dans le chat, qui est ce lien-là, du coup, hop. La semaine dernière, du coup, il y a 2 semaines, je sais plus. Non, il y a 2 semaines, la semaine dernière. Bref. Arthur pose la question. Bon, allez, Arthur pose la question, je vais le montrer, du coup. Donc, il y a 2 semaines, j'ai fait le challenge aussi de l'épée, du coup, avec vous. Hein, on l'a fait en 4 heures ensemble. Et j'ai lancé les rendus, du coup, le soir même. Donc, voilà un peu ce que ça a donné. Donc, Arthur demande, je n'avais pas prévu de le montrer, mais du coup, comme Arthur le demande, allez, c'est parti. Donc c'est pour Arthur, on va enlever du coup ici la musique et on est parti. Alors honnêtement, donc ça a été fait du coup sur un petit 4 heures la semaine dernière, hein, si t'étais là, ou il y a 2 semaines, je ne me souviens plus. Qu'on soit clair, quand je le revois, c'est loin d'être parfait, il y a beaucoup de choses qui, je pense, fonctionnent pas trop, sur lesquelles du coup, on pourrait passer un peu plus de temps. Mais ça te prouve aussi du coup qu'en 4 heures, il y a aussi moyen de faire des choses en fait, et qu'on peut, en fait, c'est possible de travailler vite, et c'était pour ça surtout que je voulais montrer ça. Merci Johan d'avoir fait le petit rapprochement avec la musique d'Halo, content qu'il y ait quelques fans dans la salle ce soir. Donc voilà un petit peu du coup l'idée, si tu veux voir comment du coup j'ai réalisé ce petit film du coup 4 heures, tu peux voir ici l'émission numéro 18, d'accord ? Donc sur l'émission ici, quand tu vas dans les rediffusions complètes, logiquement, si je me trompe pas, tu dois voir la rediffusion 18, ah, et que la rediffusion 16, attends,
faire un petit refresh parce que j'avais hop changé ça. Est-ce qu'il y a la 18? Il n'y a que la 16. Bon, je mettrai la 18 sinon tu l'as sur YouTube. Donc émission 18 si tu veux voir du coup un petit peu, avoir l'occasion de voir comment j'ai réalisé du coup le film que tu viens de voir en 4 heures. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, il y aura plein de trucs à changer, je pense notamment au niveau du lighting, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça te permet de voir un petit peu ce qui est possible en soi. Alors, ici du coup, on a le résultat des votes. Bon, du coup, le résultat est honnêtement sans appel, c'est Johan, notre grand gagnant. Donc je pense qu'on peut dire un énorme bravo à Johan. Un grand bravo, c'est très 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 cool. Je pense que on est en place et c'est génial. Bravo, bravo à Johan. Johan, tu es encore gagnant ce challenge. Je vais venir t'afficher dans l'émission, hein, enfin le forum, c'est important. On va faire ça de suite. Hop, tiens, je vais changer ici mon axe de caméra, histoire que tu vois pas que du code, ce serait dommage. Pas très intéressant. Ici, je pense que voilà, ce sera un peu mieux. Hop. Et du coup, je viens rapidement ajouter Johan en tant que gagnant. Johan, tu es avec nous ce soir. Je le sais, puisque je t'ai vu passer dans le chat un nombre calculable deux fois. Est-ce que tu peux nous donner en tête le thème du prochain challenge qui démarrera demain? Voilà, on va le faire démarrer lundi, histoire que ça prenne plus de temps. Un truc hyper important, du coup, tu le sais, mais il faut un thème spécifique. Donc pas un thème genre l'espace, mais plutôt un thème genre, j'en sais rien moi, les vaisseaux spatiaux réalistes, d'accord? Ou alors les astres, j'en sais rien moi, pris en photo de 1950 à 1980. Bref, pourquoi il faut un thème spécifique? Pour qu'on en ait assez en fait, qu'on puisse continuer les challenges, parce que si on fait que des thèmes très larges, bon normalement il n'y en a plus en fait. Donc je te laisse réfléchir et mettre le thème que tu as envie de faire dans le chat. En attendant, moi, je vais t'afficher en tant que grand gagnant. Grand gagnant, grand gagnant. Donc ici, tac. Hop. Et du coup, le gagnant, c'est... Ah, il faut que j'aille choper ton email, par contre. Alors, tu es ici. Et voilà, on a du coup Johan qui est... Enfin, je te dis ça, mais non, en fait, tu n'es pas encore en place, j'ai rien dit. Qui est du coup le grand gagnant de notre challenge. Bravo à toi, Johan. Tu es maintenant affiché pour invaincu pour un challenge. Un grand bravo à toi. Hop. Donc, je te laisse réfléchir du coup au thème que tu veux mettre en place. Envoie-le-moi du coup, parce que là, du coup, on va arriver sur la fin de l'émission. Donc, envoie-le-moi par email ou par chat. Comme ça, je pourrai le mettre en place. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'était serré, hein. Moi je suis d'accord, je trouve qu'en termes de niveau, le niveau était très serré entre les trois, participants. Ça c'est cool, ça c'est très cool, donc merci, ouais. Enfin, pour moi il n'y avait rien à envier, les trois vous avez fait du super taf, donc un grand, grand bravo. Johan, j'attends par email ou par chat ton thème, le thème que tu as envie de travailler. Et puis, comme ça moi, du coup, lundi, j'attaque sur le début de... du prochain challenge avec ça. Alors, deux trois petites choses pour conclure. Comme tu le sais du coup, ce soir c'est le dernier soir où tu peux candidater à l'école H3E2. Après, les portes sont fermées et elles rouvriront dans 6 mois à 1 an à peu près, en fonction du suivi qu'on a avec l'élève. C'est clair, la ligne d'Olivier était super aussi quand même. Donc si tu veux candidater maintenant, c'est toujours faisable hein, sur H3E2.school jusqu'à ce soir minuit après. C'est terminé. Pourquoi on coupe? Parce que derrière, eh ben en fait,
On a des choses en place, notamment les groupes de travail qui nécessitent que les gens arrivent en même temps dans le cursus. Donc si tu veux, toi, rentrer dans le cursus, pourquoi pas faire partie d'un groupe de travail, c'est l'occasion. En parlant des groupes de travail de l'école, c'était aussi la petite aparté que je vais faire. Du coup, comme la rentrée est terminée ce soir, lundi, vous allez recevoir un mail pour refaire des groupes de travail. Donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver à aller dans un groupe de travail, et pour ceux qui sont déjà là, pourquoi pas changer de groupe de travail ou s'y inscrire s'ils n'y sont pas encore. Donc ceux que ça intéresse, vous recevrez tous un mail de ma part lundi pour ça. Globalement, un petit point aussi sur les cours. Donc les cours d'Houdini en termes de monnaie sont terminés, hein, ils sont passés du coup sur la plateforme. Je sais qu'il y en a déjà qui ont commencé et qui m'en ont parlé, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il va y avoir en place sur Houdini? Après on va parler de shading, rendu, d'accord, et lighting. Et après on va attaquer tout ce qui va être dynamique, effets spéciaux, simulation, d'accord. Et enfin les transferts entre logiciels. Attention, je me permets de répondre à la question, j'en ai eu deux trois fois la question. Houdini n'est pas un logiciel très pratique pour faire du rig et de l'animation. Donc c'est un système un peu nodal et les systèmes nodaux pour faire de l'animation, on n'y est pas encore honnêtement. Ça peut servir pour faire du transfert de data, tu vois, genre de la motion capture, etc. Ça peut être intéressant. Mais pour faire de l'animation pure, on n'y est pas. Et honnêtement, Houdini, c'est franchement pas un soft d'anime. Donc, dans le cursus H3A2, on va voir vraiment les bases de l'anime, tu vois, quand on va mettre une clé ou un truc comme ça. Mais t'attends pas à aller rigger un perso dans Houdini, tu vois. C'est absolument pas ce qu'on fera dans le cursus. Aujourd'hui, je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt de faire ça en prod. Je connais aucun studio qui anime sur Houdini. Aucun. Voilà, après ça va certainement arriver, hein. Mais dans tous les cas, ça c'était pour répondre à la question. Nous on va vraiment se concentrer sur la force de Houdini, hein, ce qui est du coup son concept procédural et ses fixes qui sont aussi procéduraux, pardon. Voilà, globalement, sur le point FR. Sur les prochaines semaines qui arrivent, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, notamment en rapport avec Space Warp. Je sais pas si tu te souviens ce que c'est Space Warp, cet univers qu'on est en train de créer, qui va être communautaire et auquel tu pourras participer. T'as peut-être vu passer hier le petit post sur les astéroïdes procéduraux. C'est pas terminé, on est en train de faire les planètes et les étoiles. Bref, il va y avoir aussi pas mal de choses qui vont arriver de ce côté-là. Et des choses très intéressantes, que ce soit pour l'univers en tant que tel, mais aussi pour les concepts qu'on va aborder pour créer l'univers et qu'on va transposer en vidéo sur YouTube pour te montrer comment on a fait cet univers. Donc ce sera aussi l'occasion d'apprendre pas mal de choses sur la création d'une image et d'un jeu vidéo avec la 3D. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir été avec moi ce soir. C'était vraiment très cool. Merci encore aux participants du challenge, il y avait des super travaux et je peux que vous féliciter, honnêtement, c'est vraiment super bien. Encore une fois, je rappelle, hein, 14 jours seulement pour faire ça, hein. 14 jours, on a vraiment du super boulot. Et enfin, bah, je vous dis simplement une excellente soirée et on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.